for dear English speakers. To have the English subtitles, now you just have to activate the closed caption down here or up here if you're on a phone. Nous sommes en Tanzanie, en pleine navigation vers le sud. Depuis 3 mois, nous avons pas mal exploré le nord et nous sommes excités de voir ce que le sud nous réserve. Les mouillages semblent paradisiaques. Le moteur est maintenant bien réparé suite à nos soucis de la semaine dernière. Quand on voyage, on recherche des beaux endroits où s'ancrer. Et nous aimons aussi sortir des sentiers battus pour découvrir le pouls du pays et comment il vit, un mode de vie si différent du nôtre. Donc là ici, ça c'est la petite île où est-ce qu'on veut aller ici. Alors on disait là, mais là il y a un bon petit vent donc on va s'avancer jusque là. Et là le problème c'est que tous les jours, le vent vient du sud, sud-est à peu près. Et nous, où est-ce qu'on veut aller? Ben c'est dans cette direction là, donc c'est vraiment pas pratique pour descendre. Et on veut vraiment pas trop utiliser le moteur non plus. I might solve them, but they ain't going away. Can anybody heal this pain? Keeps on coming back again. All these cycles keep evolving. Oh! Oh! C'est quoi toutes ces odeurs, c'est quoi? Donc finalement on pensait faire que 5000 et on en a fait 17, pratiquement 18. Donc on avait un super vent tout le long, on a fait que de la voile, puis ça fait super plaisir. Et là il y a un petit village là-bas. Donc quand on arrive dans des petits villages comme ça, vraiment tout petits, on se dit est-ce qu'ils veulent qu'on vienne les voir? Est-ce que ce sera pas mal à l'aise? Parce que nous on a bien envie d'aller voir. Mais voilà, on verra comment on se sent demain. Parce que pour eux, ils ne voyaient pas souvent des voiliers, donc on passe souvent pour un peu des... pas des extraterrestres, mais on se... voilà, ou de la curiosité. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment ils... je sais pas comment ils réagiraient. En tout cas, on va y aller avec plein de bonbons. Déjà, on donnera des bonbons à tout le monde, c'est déjà ça. On souhaite la bienvenue à notre nouveau Patreon, Jean-Christophe. Voilà ton nom sur le mur des Patreons. Merci encore à tous nos Patreons et on remercie également nos abonnés. Merci à tous qui suivent, ça nous fait super plaisir. Maintenant, il y a Mohamed, un professeur du village, qui est venu nous voir à bord de sa pirogue et qui nous a proposé de venir à terre pour ses élèves qui veulent voir des Muzungu, donc des touristes, des blancs. Thank you very much. Thank you very much. But I volunteer, no one paying me. Okay. No one. You know why? Because here it is my home, okay. But I know the problem is, all subject is, we are reading for Swahili. When you go to secondary school, all subject is English. 25% they can speak English. All secondary schools, it's all in English. Yeah. And all primary school, it depends. In the villages, it's more Swahili. Yeah. And in town, it's more English. Yeah. To work also, to get money, to live and to everything? To live, here? I'm a fisherman sometimes. Okay. 4 days, school, 3 days, fishing. Okay. Yeah. So this one is for the doctor and then at the hospital? Yeah, hospital. Yeah. Yeah, and the doctor, where do you get from here? From here? From the government? Yeah. But we pay. Okay, we pay. Donc les enfants ils s'assoient ici, puis là il leur fait la classe. 1, 2, 8. That's the kitchen. Yeah. Right? That's nice, it's so different. It's inside a big hall? Yeah. Or it's an individual big hall? Yeah, big hall. Donc ça ici, c'est la batterie de la maison qui sert à alimenter les petites lumières ici. Derrière this. My first song. Autre que la pêche,
les femmes collectent les algues qu'elles vendent 36 centimes d'euros aux Chinois qui s'en servent pour les cosmétiques et autres. Pour tout ce qui est lavage, ils ont des puits d'eau salée et ils récupèrent l'eau de pluie pour boire dans ce gros réservoir pour tout le village. S'ils sont en manque d'eau douce, ils doivent aller en chercher sur le continent. Il nous a vraiment fait découvrir tout le village et tout, et on l'a invité à bord, on lui a montré le bateau aussi, il était super content, il a fait plein de vidéos et tout. Si, Booster. Voilà, ok. Donc je disais, et il nous a offert donc deux beaux petits poissons cuits dans l'huile. C'est délicieux. Donc on en aura pour quelques, peut-être deux repas. Et là on a, je sais pas, il y a 17-18 nœuds. Le vent de sud-est. Avec un bon petit courant. Par contre, aussi. Les vagues sont pourries. Hein. C'est des vagues super proches. Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de vent. On a quelques. Pas mal, là. C'est quand même pas mal. On avance à 6 nœuds. On a un tour, deux tours dans le Génois. Clair Timon. Et je peux vous dire que les vagues, on les destroy. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, nourris-toi. C'est pas très santé, mais c'est tout ce que mon bidou il veut. Ah, je faisais une œuf sale. C'était un très beau virement de bord. Bravo, capitaine. Là, il y a un gros grain qui arrive par bâbord, alors que le vent vient de tribord. Et c'est comme une grosse arcade, ça fait vraiment peur. Je sais pas si on va se le prendre. J'espère que non. J'espère que non, mais ça fait vraiment. C'est effrayant ce truc. Il se construit. En fait, l'invention dernière était juste grossir. Et du coup, il aspire tout autour de nous. Il y avait 20 nœuds de vent, c'est tombé à zéro. On était auprès, là, d'un seul coup, le vent a switché, pof, on a dû virer le bord. Ouais, je vais le border. Navigation super dure. Et toujours soit le vent qui n'allait pas, soit le courant qui changeait, soit les grains qui n'étaient pas prévus, qui arrivaient, et puis ça a fini avec du 30 nœuds de vent. Le courant nous poussait de 30 degrés, c'est un truc de fou. Et là on arrive ici, puis c'est une petite île qui est remplie de plein de pêcheurs. Il y a plein de pêcheurs qui sont venus se protéger du coup. Puis là le mouillage ça bouge, puis c'est... Descendre le long de la côte dans la mauvaise saison demande un peu de stratégie et d'organisation. Notre but est d'aller ici. Pour les prochains jours, le vent est sud-sud-est. Cette île à 25 000. Même si elle n'est pas tant protégée, était notre seule option pour avoir le bon cap ensuite. Ça bouge pas mal, mais bon, c'est juste pour la nuit. Demain, nous remettrons les voiles vers une petite île bien paradisiaque. Et il y a des pêcheurs qui sont venus nous voir pour nous demander de l'eau. Et c'était compliqué parce qu'ils parlaient pas vraiment anglais, et puis nous, on parle pas vraiment Swahili non plus. Kamba, c'est quoi Kamba? Je sais pas. Kochi, Kamba, Kochi. English. Et là on attend juste que le vent switch. À 14h il est censé switcher un petit peu et d'avoir le courant de la marée pour nous. Donc ça va être marée qui commence à monter à 14h. Donc là il y a une belle langouste. Il y a les pêcheurs du coin qui sont venus nous voir, nous dire est-ce que vous voulez de la langouste et tout. Et on leur a dit oui, on prend bien une petite langouste. Donc voilà, ils avaient un sac rempli de langoustes et tout. On est parti de Nyororo et on se dirige vers Barakuni Island. Barakuni. Oui, on espère vraiment qu'on aura un bon mouillage confortable pour cette nuit. On n'aura peut-être pas internet encore, mais c'est un détail. Non, ça va, je pense qu'il aurait produit un petit peu quand même. Ouais, mais je pense qu'en plus, ça n'arrive qu'à s'approche. Ça bouge moins que le mouillage en été, alors. On vient d'arriver à notre mouillage, encore de nuit cette fois-ci.
Et là, Joe est en train de préparer la petite langouste qu'on va déguster avec des pâtes et des petits légumes. Regarde, ça des piotages de professionnels. Ouh. Tiens, tu peux me donner un petit bol, le petit bol rouge, d'ailleurs, pour mettre bah, on en trouve aussi. Ouais, bah, qu'on en trouve, ouais. En tout cas, elles sont plus grosses que celles qu'on trouve au Maldives, hein. On en a fait une quand même, comme ça, au Maldives. Oh non, bon, si grosse. Ah oh, non. Ah oh, non. Nous sommes à cette petite île et c'est vraiment excitant parce que c'est tellement rare qu'on puisse s'ancrer aussi proche de l'île. Ah mais là on est à quoi, 100 mètres, 150 mètres. Et là c'est une petite île déserte qu'on va se prendre, qu'on va aller visiter. Avec, il n'y a pas de cocotiers mais il y a juste des filets à eau, donc c'est des sortes de points. On va à terre? Baby, hein? Je sais pas où est-ce qu'elles sont tes lunettes, on va à terre? C'est parti! J'ai gagné! 7 kilos, c'est vraiment un très beau spot. Ça fait de la place. Ça fait plaisir d'avoir de la place pour se dégourdir un petit peu. Et là, Joe est parti. On trouve plein de coquillages. C'est magnifique. Regarde juste ce sable, genre. Juste voir du sable et du turquoise, c'est juste. C'est incroyable. Et Joe est parti faire le tour de l'île à pied. J'ai fait juste quelques petites répétitions pour faire monter un peu plus ses cardio. Là, j'allais le rejoindre tranquillement. She don't care at all. She likes to play games with my heart. So wrapped up, I try so hard to hide what I feel inside. She's all. And today we are with Ultimate Surfer Claire Valad. Petit entraînement matinal pour savoir surfer. Alors, les conseils de Claire Valad. Quels sont tes conseils? Quels sont tes conseils de surf? Aucun, je suis débutante, je fais que ramer. Est-ce que vous trouvez qu'elle rame bien sur sa planche? S'il y a des surfeurs? Je trouve que ramer comme ça en surf, c'est super physique en fait. On le fait pas assez souvent, puis ça fait vachement mal au bras. C'est juste, 150 mètres aller, 150 mètres retour. Mais. Ah, t'es mal barré si tu veux devenir championne universelle de surf de la mort. Hein. Mais c'est pas mon but. Donc, s'il y en a qui font du surf et qui ont des conseils de rame pour qu'on puisse s'améliorer au tout, ou si c'est juste la pratique, on est preneur. Couleur d'eau qui nous inspire en fait, c'est ça le mec de Coma Island, il nous fait on lui demande s'il y a des requins. Oui, des petits requins mortaux, des tigres des fois, mais c'est bien quand on les voit, on peut les prendre en photo. Ah. Et là c'est ça, c'est genre, le genre de couleur d'eau où les requins tirent, ils aiment bien traîner, hein. En fait on est un peu des flippettes. On est vraiment des flippettes là, parce qu'il y a des petites vagues quoi, ça pourrait peut-être ouais, le faire mais... Ouais mais l'eau elle est dégueulasse et tout là. Ça m'énerve parce que j'aime pas ça être une flippette et tout, puis je me dis oh tu devrais battre ta peur et tout, mais j'ai quand même un mauvais pressentiment aussi, donc est-ce que c'est un mauvais pressentiment ou c'est juste une peur injustifiée, je sais pas trop. Je pense que c'est juste une peur en fait. Non mais je sais pas parce que la couleur de l'eau est vraiment... Tiens regarde c'est quoi ça là, on voit le fond, super, il y a une couleur. Bon là c'est que dès que l'eau est comme ça, moi direct ça me fait pas, ça me rappelle au Whitsunday ce que j'ai vécu et enfin, le problème, c'est que dès que je suis dans l'eau avec une planche, ça me fait direct penser à ça, quoi. Et du coup, je pense plus qu'à ça, je me concentre même pas sur le truc de s'amuser à faire du surf ou quoi que ce soit, je pense qu'à ça. Donc cette histoire de... qui me revient souvent en tête quand on plonge, quand j'y pense à chaque fois, c'est qu'en fait, au Whitsunday, quand on est né en Australie avec mes parents, donc à côté d'Early Beach, les Whitsunday, c'est un des endroits qui est le plus touristique dans le Queensland. Et il y a déjà eu plusieurs attaques de requins tigres. Et le problème, c'est qu'ils mettent pas de panneaux ou ils disent pas faites attention machin pour que les touristes continuent de venir. Sauf qu'ils mettent vraiment rien pour
pour dire aux gens de faire attention quand même, quoi. Parce que voilà, un jour j'étais avec mes parents sur leur bateau et puis je voyais quelqu'un se baigner. Enfin, ils étaient deux sur un paddle et ils s'alternaient. Il y en a un qui était dans l'eau et un qui était sur le paddle. Et après, il y en a un qui sautait à l'eau et qui changeait. Et il était 5h30 du soir. C'était dans une eau un peu trouble verte et puis voilà, coucher du soleil. Et c'était un endroit où il y avait précédemment, les mois derniers, deux attaques. Ce que nous, on ne savait pas déjà sur le moment parce qu'il n'y avait aucune info. Donc déjà, moi, ça m'a surpris de voir des gens se baigner parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se baignent en Australie parce qu'entre les crocodiles, les requins, les méduses, c'est pas non plus. Souvent, ils se baignent dans des piscines naturelles qui font en face des plages. Et déjà, ça m'a surpris. Et 10 minutes plus tard, j'entends crier. Et du coup, je regarde comme ça sur le pont et puis je vois que c'est ceux qui sont sur le paddle. Donc il y avait, et c'était un couple, je crois. Et elle était sur le paddle, était tout recroquevillée sur elle-même et elle ne bougeait plus. Et il y avait le mec qui était à 10 mètres derrière et on voyait qu'il essayait de revenir au paddle. Et puis vers 5h30, on voyait pas très bien. Et là, je vois une traînée derrière lui, une traînée noire. Et enfin, au début, j'y croyais pas, quoi. Enfin, je me suis dit que ça peut être une attaque. Donc en fait, c'est bizarre quand même. Et puis, je voyais sa tête en avançant, qui faisait comme un petit bouchon. Clac, qui descendait, il essayait d'atteindre le paddle. Et là, on s'est dit quand même, il y a un truc qui est bizarre, on va quand même aller voir. Donc on prend l'annexe, on va voir, et sur le moment, plus on s'approchait, et plus je commence à faire des battements au cœur, ça commence à nous faire peur un peu. Et là, on arrive au paddle, et il venait d'arriver au paddle, et en fait, il venait de se faire attaquer par un requin. Donc, je pense que c'était un requin tigre ou un requin bulldog. Et le mec, il était en lambeau, quoi. Il s'était fait attaquer les jambes, les bras, il s'était battu un peu avec le requin, parce que le requin, c'était un peu acharné. Et donc il avait des découpures partout, des morsures partout. Et avec mon père, on l'a pris et on l'a mis sur l'annexe. Elle pouvait plus bouger, donc pareil, on l'a attrapé, on l'a mis dans l'annexe. Et on les a ramenés sur un bateau de charter sur lequel ils étaient. Et en fait, c'était tous des médecins. C'était des vacances de médecins, ou je sais plus ce que c'était. Et donc s'il avait une chance d'être sauvé, bah, c'était bien sur ce bateau. Et ça a duré 3 heures pour faire venir un hélicoptère de Mackay, la ville la plus proche. Ils ont réussi à le réanimer 3-4 fois. Il avait perdu déjà tout son sang quand on l'a ramené au bateau. Et puis arrivé à l'hôpital, il est mort. Il est décédé. Voilà, quoi. C'est pour ça que moi, du coup, j'ai toujours ces images en tête dès que je retourne dans l'eau. Donc voilà, maintenant, ça n'arrive pas non plus qu'aux autres. Alors après, voilà, c'est ça, il faut faire attention parce que c'était pas les bonnes conditions. C'était en coucher du soleil, c'était non seulement une murcie de tortue, et c'était en face de la mangrove, dans de l'eau trouble. Forcément, il n'y avait rien de réuni pour que ce soit. Donc c'est pour ça que nous, on fait toujours assez attention quand on se baigne. Il y a des précautions à prendre quand même. Là, on est en mission photo de nuit. On s'est apporté un petit pique-nique. On va faire un peu. Ah, on est par ici, toi! Oh non, mon petit! C'est vraiment de l'autre côté à l'autre côté là-bas. Donc là, on est en train d'attendre que les étoiles sortent et là il y a la lune un peu qui nous cause des soucis. Parce qu'elle éclaire beaucoup la lune. Non, franchement c'est génial. On n'a pas de vent, il fait bon, il n'y a pas de moustiques. Ça c'est important. Parce que souvent on se défoncer par moustiques. Et il y a un super ciel étoilé. Non, là, on arrive à faire des chouettes photos, mais il y a la lune. Mais alors quand la lune va se coucher, on va rentrer dans au moins 2-3 heures. Alors merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Maintenant... Et si vous voulez continuer l'aventure, on vous suggère cette vidéo. C'était de l'épave aux Maldives. C'était vraiment un super spot. L'eau était super claire comparée à là. Un des plus beaux spots. Donc on vous souhaite une super belle journée à bientôt. À bientôt.